Riga, à environ 1000 km au nord de Montréal, 2000 travailleurs achevaient de construire les ouvrages de génie civil destinés au deuxième plus puissant aménagement hydroélectrique québécois, le chantier de la Grande 4. En respectant, en devançant même leur échéancier, ces travailleurs allaient rendre possible la mise en eau du réservoir. En 1982, LG4 a été le plus actif des chantiers du complexe La Grande. Vite, on est à la veille de finir. Moi, je suis venu travailler sur la digue QA8. Il y a à peu près 200 digues à la baie James. Et je suis tombé sur tout un morceau. Une digue, c'est comme un barrage. En général, on installe ça dans un creux, entre deux collines. Ça retient l'eau dans le réservoir. Il y en a des petites, il y en a des grosses. La QA8, c'est une vraie montagne. Je te dis que ça en prend des pelletées. Une chance que c'est pas des petites pelletées. Quand t'as voix pour la première fois, tu te dis c'est pas possible. Depuis 79 qu'on travaille dessus. Cette année, il reste le dernier quart à finir. À peu près 3 millions de mètres cubes. J'ai calculé qu'à moi tout seul, ça me prendrait à peu près 30 000 voyages. Pour retenir l'eau du réservoir de la Grande 4, il a fallu construire un barrage et un réseau de digues avec les matériaux naturels disponibles sur place. Au total, plus de 10 millions de mètres cubes de remblai. La digue QA8 fait 90 mètres de hauteur, 1900 mètres de longueur. Ces ouvrages présentent tous les mêmes caractéristiques. Un noyau de moraine, des zones de filtre en sable renforcées par un gravier qui cède la place à un enrochement de plus en plus grand afin de maintenir la structure en place. Les gants rouges, c'est nos signaleurs. C'est eux autres qui nous disent où décharger nos voyages. Tu vois, une digue, ça monte couche par couche, une après l'autre. Quand même, il y a des semaines, on a monté de 4 mètres. Avec nos gros camions, on avait besoin d'aide. L'été est court à Bay James. Faut en profiter. 90 camionneurs artisans sont venus nous donner un coup de main. Ces gars-là, je leur tire mon chapeau. Si c'est dur pour une mécanique, eux autres doivent entretenir et réparer leurs camions tout seuls.
Pas de camion, pas de travail. Il y en a qui ont fait des grosses journées. Mais il n'y a pas juste nous autres à LG4. Des travaux, il y en a ailleurs. Tiens, à l'évacuateur de crue au début de l'année, il restait pas mal de travail à faire. Les piliers, les murs, le coursier. L'évacuateur de crue, gigantesque saut de ski, est situé à l'extrémité sud du barrage. Chaque vanne mesure 12 mètres de largeur sur 18 mètres de hauteur. La mise en place nécessite 3000 boulons. Trois des vannes sont munies d'un système de chauffage permettant à l'évacuateur de fonctionner en toute saison et d'assumer son rôle en cas de crues exceptionnelles. Débiter jusqu'à 8000 mètres cubes d'eau à la seconde, soit l'équivalent du débit moyen du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Montréal. Le coursier fait 120 mètres de longueur. Il paraît que quand l'eau descend, c'est de toute beauté. C'est un gars à la cafétéria qui me l'a dit. Il a vu celui de LG3 en opération. Il m'a aussi expliqué qu'ils servent d'un coffrage coulissant pour bétonner le coursier. Une fois que c'est commencé, on n'arrête plus avant d'arriver en haut. Une section, c'est 96 heures de travail. 4 jours, sans arrêt. La belle affaire. Au début de juillet, ils ont installé le pont sur l'évacuateur. Quand le réservoir va être plein, tous ceux qui vont travailler à la centrale vont passer par là. Un peu plus tard, ils ont installé les grosses vannes de l'évacuateur. Après, ça a été autour de la structure et des treuils. C'est en ouvrant ou en fermant ces vannes-là qu'on va pouvoir contrôler le niveau du réservoir.
Avant de remplir le réservoir, il a fallu terminer la prise d'eau. C'est par là que l'eau descend, vers les turbines. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Complètement à part du barrage. Tout entouré d'eau. Là, le bétonnage était pas mal avancé. On a surtout travaillé à installer les rails des vannes. La prise d'eau est un ouvrage en béton de 40 mètres de hauteur sur 190 mètres de longueur. 9 conduites forcées alimentent en eau autant de turbines situées 116 mètres plus bas. 50 mètres la séparent de la crête du barrage. On a jeté un pont d'accès dont la construction a représenté un véritable défi technique. Deux grues en tandem ont installé les poutres de 41 mètres de longueur sur leurs assises. Cette année, il y avait pas mal de monde à Sandral. La deuxième plus puissante au Québec. Après LG2, naturellement. Pendant qu'on jouait dans le sable, il y en avait d'autres qui se payaient tout un jeu de mécano. Je suis allé les voir travailler. Ils marchent sur les poutres comme sur le plancher des vaches. Moi, j'ai le vertige en haut d'un escabeau. J'aime autant rester assis dans mon camion. La dernière poutre, ils ont fêté ça. Mais c'était loin d'être fini. Tard, ils ont posé le revêtement extérieur, l'isolant des murs, et ont fini le toit. Les 9 murs coupe-feu des transformateurs ont tous été bétonnés. On a beaucoup travaillé la nuit. Ça prenait des tonnes et des tonnes de béton pour former les aspirateurs. C'est important que ce soit très solide parce que toute la machine repose dessus. Une turbine à LG4, ça pèse 950 tonnes. C'est par là que l'eau sort de la turbine. Cet été, il y avait toujours des grosses pièces qui arrivaient. Ça, c'est large. Je te dis que ça fait drôle de voir ces gros morceaux se promener sur la route à travers les épinettes rabougries.
On les a rentrées une par une dans la centrale. Il y a des fois que c'était juste. En dedans, on a commencé l'assemblage. Une turbine, c'est plusieurs morceaux qui pèsent des tonnes. C'est pas croyable. À la grosseur que ça a, ben c'est ajusté au millième. Une chance que mes signaleurs ne me demandent pas d'être aussi précis. La centrale de la Grande 4 est assise au fond d'une tranchée profonde excavée sur la rive gauche de la Grande Rivière, immédiatement en aval du barrage. Longue de 246 mètres, large de 35 et haute de 47, elle abritera 9 groupes turbines alternateurs développant une puissance totale de 2650 mégawatts. Pour assurer l'installation et l'entretien des groupes, on utilise deux ponts roulants d'une capacité de 275 tonnes chacun. Ensemble, ils peuvent soulever et déplacer les 535 tonnes du rotor, le poids de 4 locomotives. Pas très loin de la centrale, on a construit le poste TI. Toute l'électricité de LG4 passe par là. Le huitième de l'électricité de tout le Québec. Sectionneurs, disjoncteurs, arrivées et départs de lignes, le poste Tilly sert au transport d'énergie. Les lignes à 735 kV serpentent vers le carrefour Lemoine, poste situé entre LG3 et LG4. D'une superficie égale à 20 terrains de football, le poste Tilly comprend un bâtiment de commande où sont installés les ordinateurs destinés à la régularisation du courant et à la surveillance de l'équipement. Ouais, j'ai pas à dire. 82, c'est une bonne année à LG4. La Société d'énergie de la baie James avait le mandat d'orchestrer tous les aspects des travaux reliés à la réalisation de LG4. Elle est redevable de ses succès au dynamisme de son équipe et aux 2000 individus qui, comme M. Marc Pilon, chauffeur de camion de 110 tonnes, travaillaient au chantier de LG4 à l'été de 1982. Ensemble, grâce à leurs efforts quotidiens, ils ont réussi à achever tous les ouvrages extérieurs importants.
Le 20 mars 1983, les vannes de la galerie de dérivation peuvent s'ébranler, fermer le cours de la grande rivière et donner au paysage son relief définitif.